Sur le nez, genre.
c'est parfait. Voilà, nickel. Maintenant, ce qu'on va faire, on va continuer avec ce petit pinceau. Tac, tac. En fait, ça, c'est pour préparer la peau. C'est le geste qu'il faut faire pour ouvrir les pores du maquillage. C'est-à-dire qu'il y a des pores où il y a des points noirs. Et quand c'est pour le maquillage, il faut celui-là.
faut savoir que il y a eu une partie 1 où elle m'a atomisé le maquillage, d'accord? Vous irez la voir, au pire je mettrai le lien. Donc là je me venge un petit peu, voilà. Parce qu'elle m'avait fait la totale. Donc là c'est mon tour aussi. Mais moi je l'avais bien fait. Oui, mais moi aussi j'ai bien fait, regardez. C'est pas fini. Ce qu'il faut mettre maintenant, c'est l'anti-cerne. Donc, ce qui sert bien sûr à... C'est pour, en fait, c'est pour les cernes, c'est pour ne pas avoir de cernes. En fait, c'est caché, t'as capté. C'est pour camoufler. Cacher les cernes, donc. Donc, ça vient juste en dessous des cernes, des yeux.
sourcils sont